Bienvenue à toutes et à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Nous nous retrouvons sur Fallout 4 pour l'épisode 72 chez Aquapanel Lully. Coucou. Et c'est bon, là je pédale plus dans la semoule. Ouf. Alors. Le point n'est pas très loin. Localisé. Alors. Il me demande d'aller dehors ou dedans? Apparemment, ça a pas l'air d'être dedans. Ah si. Une pyramide. Donc la tour de surveillance, c'est bien là où on doit aller. Le site de surveillance, c'est tout simplement l'endroit où on va devoir récupérer des matériaux. Par contre, ceci, je me rappelais absolument plus. De toute façon, s'il n'y a pas de piège dans Fallout, c'est pas drôle. De toute façon, les pièges, je peux pas les déclencher donc. Côté là, pas besoin d'avoir peur. J'aurais peut-être pas dû prendre mon armure assistée pour aller jusque là-bas, mais bon, tant pis. Oh, les portes doivent rester fermées, ils sont sérieux. C'est qui a encore tout cassé? Bon, l'ascenseur ne fonctionne pas. D'accord. De quoi? Je suis monté pour rien. Ah là, je suis en train de chercher, qu'est-ce qu'il va falloir faire? Je crois que l'armure assistée, comme j'ai dit, je vais le mettre tout en haut. Parce que l'armure, je veux que l'utiliser quand justement je dois me déplacer où il y a des radiations. Donc, je vais la remettre à l'entrée. Mais du coup, j'ai pas récupéré le vidéo pack. Ça pue l'arnaque. Ouais, bah ouais, bah après. Le Logique. gars. Ah non, mais je sais pas, j'ai pas testé, je sais pas si ça fonctionne. Et du coup, ouais, moi, je fais. Bah, y a pas de souci, moi, je veux bien le tester à votre place. Ouais, mais si Ah non, l'autre mais il j'ai veut pas. branché au secteur, mais j'ai pas de télé, hein, donc je sais pas si ça fonctionne. Je fais, ok. Mais bien sûr. Y a pas de télé! Ouais. C'est mon cul. Et après, j'ai dit, mais c'est pas grave, j'emmène ma télé, y a pas de souci. Bizarrement, après, il répondait plus, le gars. Pas de télé en 2016? Waouh! Quand même! C'est un champion lui! Ouais, il voulait juste que tu le fasses pas! Ouais. Ce que j'ai dit à mon frère, je fais, bah, on va emmener mon petit écran, mon deuxième écran de PC, y a pas de souci, hein. Ça prend pas de place dans la voiture. Elle captait l'Atari que les autres téléphones captaient même pas. Ça doit être un écran plat. Si elle arrive à capter la première Atari, y a pas de souci, ça capte toutes les consoles. Oh bah c'est pas plus mal. Ah, du coup, j'ai racheté un câble pour la manette Ah oui. PS4. Il était mort. Ouais, j'étais voir ça au rayon téléphone. Et les câbles, ils étaient ultra courts et tout. Ils coûtaient 15 euros. Je vais à Carrefour, hein, j'étais. Du coup, je vais au rayon jeux vidéo. Là, tu vois un câble qui fait 3 mètres avec deux embouts pour brancher, tu sais, les manettes. Donc, deux embouts de Tu le payes téléphone. bien moins cher. Et tu le payes 10 euros. Alors que les autres 15 euros et t'as 50 cm de câble, quoi. What the Oh, mais fuck? faut pas chercher à comprendre. Ouais, des fois. Pff, de la gueule du monde,
C'est bon. Ah, j'étais pas descendu de l'autre côté, hein, je te rassure, je préfère pas me casser la figure pour rien. Quoi ça? Ça grouille de goule. Oh putain. Ouais, toi t'es... Toi, je peux pas te fouiller, t'es forcément vivante. Merde. La petite tête. Merde, pourquoi j'ai pris une cuillère? Cuillère en plastique, quoi. Peut toujours servir. Ouais, faire fondre pour faire... Sauf si elle s'en Justement... est déjà servie avant, tu vois, la goule. Si elle a déjà léché... Qui dit qu'elle s'est Je te pas gratté le conseille de cul avec? l'acheter. Qui sait? Je te conseille de l'acheter quand même. Simple mesure de précaution. Non, je vais la donner à MacCready. Elle a l'air d'aimer. Je dirais, tiens, c'est au Oh. grattoir pour les fesses. T'as été chercher des nuques. Pour le robot. Des nuques pour le robot? Oui, mais c'est ça, là, t'es en train de récupérer Ah oui, le des... matériel... Oui, forcément. Pour Prime, là, je sais plus comment il s'appelle. Liberty Prime. Voilà, c'est pas Optimus Prime, c'est Liberty Prime. Ouais, c'est cela. Y'a du monde! Ah les ghouls, elles sont très gentilles, elles te frappent. Ah les ghouls, venez, je vous attends. Ça, c'est à mettre dans un best-of. T'es en train de chanter. Ouais. Comme Aïe ton aïe gaffage. aïe, aïe aïe. Non, le gaffage est. Non. Lol, tu auras des rations comme ça, ça va te gratter les poliques. Et après, tu ressembles à Chewbacca. A ton avis, pourquoi Chewbacca il existe? Dû aux radiations? Il s'est trop cradé le cul et puis à force, ben ça poussait partout. Voilà. Ah, ça de l'argent par contre, on peut toujours le prendre. C'était quoi son objet légendaire? J'ai oublié de regarder. Ah bah. J'ai oublié de regarder. Quoi, une tenue? Ah oui, oh! Agilité et perception, c'est vrai que ça peut être pas mal. Quand même. Hein? On peut se le cacher. Si, MacCready, il est dans Fallout 3. Il était enfant. Je sais plus si c'était pas même le maire de... De la ville des enfants. Je me rappelle plus vraiment. C'était près d'un abri où tu récupérais le jet. Après le nom précisément, je me rappelle plus. Ça fait mal. Voilà, Little Lamplight. Ouais, c'est ça. Little Lamplight. Du coup, tu m'as mis le nom, c'est bien ça. Calme. Oh! Objet légendaire. Objet légendaire. Moi, je vois que objet légendaire. Quand je tue des ghouls comme ça, objet légendaire. Oh, un tuyau de plomb. Très bien. Bon, mais faut être con pour rester immobile quand même. Non, je te soigne pas. Trop cher. Tout qui se régène. Toi tu meurs et lui il se régène. Chercher la logique. Aïe aïe! Reste tranquille! Non mais oh! Ah,
Ah, je change enfin de difficulté. Oh non, mais non, je voulais pas boire de l'eau. Et ce peste de con. Une traqueuse qui t'attaque. Louche. L'abri 81. Ouais, où tu récupères. Tu récupères pas le super mutant, tu le libères. Que si tu le récupères. Tu le libères pour qu'il vienne t'aider après. Niveau de l'enclave. Moi d'ailleurs, je le trouve vraiment cheaté comme compagnon. Après, ça ne tient que moi. Hein. Mais dès que tu commences à bien monter de niveau, de toute façon, les personnes qui sont avec toi sont assez badass. Fusible tournevis. Tournevis planté dans l'écran, hein, bien évidemment. Histoire de bien se faire sauter. Oh, frère Henri. Salut. Indiquez le but de votre venue ici. Vous foulez les terres sacrées d'Atom. Je cherche des bombes. Des bombes nucléaires. Vous dévalorisez ce qui réside ici. Cet endroit est sacré. Les enfants d'Atom ont juré de protéger cet endroit jusqu'à l'heure de la grande fragmentation. Personne ne doit entrer. Croyez-moi, je suis de votre côté. Je veux vous aider. Atom n'a aucun besoin de l'aide des impies. Lorsqu'il nous reviendra, ses reliques porteront sa parole et sa gloire aux confins de la Terre. C'est pourquoi nous devons les protéger. Ah, oh, bon sang. Laissez-le-moi, je vais le faire taire pour de bon. Je me réjouirais d'étendre sa gloire. Écoutez, on va les utiliser, ces bombes. C'est bien ce que vous voulez, non? Vos paroles sonnent faux. Je n'entends pas la parole d'Atome en vous. Vous ne cherchez qu'à assouvir vos propres fins, pas les siennes. Les reliques resteront ici et vous allez partir immédiatement. Dernier avertissement. Montrez-moi les bombes ou vous allez le regretter. Non! Votre temps, ce monde est révolu. Abandonnez tout espoir face au courroux d'Atome. Petit con. Ah frère Henri, tu t'es fait dégommer en un coup, hein, mon pépère, quand même. Je sais pas par contre s'il resterait super tard en fait. Hein. Moi je sais pas non plus. Mais par contre, non, j'aime c'est que j'ai dormi 3 heures. Ah, je sais. Non! Ne fais pas ce que je pense! Je n'aime pas ça! Wow! Fuck! C'est bon. Et mais il fait vachement mal lui! Il y a cette saloperie aussi qui m'attaque. Eh, hey, il cogne, hein. Il cogne, il est con. Alors, le terminal, je le prends. Les munitions, je te les prends. Les instructions, je les prends. Ils n'ont pas été très gentils. Pas de soucis, les gars. Pas de soucis, pas de soucis. On déverrouille. Commande de la porte. Ouvrir. Bon, eh bien, nous avons les bombes.
Et voilà, localisé. Juste sauvegarder comme ça. Bon, j'ai juste envie de visiter le lieu après. On va aller parler comme on peut à nos chers camarades. Merde. Elle m'a attaqué. Vilaine. Vilaine ghoul. Allez, dors une heure. Y'a pas besoin, hein. Elle est placée. Et pas par hasard une porte de l'autre côté. Je pense que si. Regarde. Faut activer. Ça ne te fait rien de plus, hein. Tu vois, tu peux appuyer plusieurs fois sur 1, hein, y a rien. Déjà fait. Ouais, bah, c'est ce que je viens de faire, je viens d'appuyer plusieurs fois sur A là. Et bon. Oh merde, alluminissant. C'est alluminissant le plus facile que j'ai pu vaincre. Pauvre abruti. Pauvre abruti, pourquoi tu t'es bloqué? Bon bah rip à lui. Ah mais ça c'est pas cool ça. Oh non les salauds. Bon bah c'est pas grave. Mais là par contre je crois que je vais risquer de me faire dégommer, non? Je crois que les tics m'ont vu. Ah bah, c'est bon, voilà. C'est Coco, j'espère que tu vas bien, bienvenue sur le stream. Avant de dire des bêtises, hein, où est l'armure? Je suis en train de la récupérer. Ouais Tom, faut être patient. Voilà. Ouais, on va aller avec l'armure là-bas. Et puis voilà. J'espère bientôt prendre un niveau quand même. Ce serait bien. Très beaucoup d'XP à faire. 25% à peu près.
On verra bien quand ça tombera. Peut-être qu'avec le discours, ce sera bon. Ah, si tu connais pas ce mot, c'est très dommage pour toi. Que des fois la patience. C'est très bien. Plutôt que de poser des questions. Hein? Faut éteindre. Bon, je vais la reprendre. Allez, re-rentre. Dépêche-toi. Il peut déplacer sur le point à côté. Aéroport. Et ben voilà, c'est un peu mieux. Alors on se rapproche progressivement des armures assistées réelles. J'ai vu là qu'il y avait des Français en plus qui ont mis au point un petit appareil que tu places sur le crâne et un autre que tu places à côté du muscle pour genre pour les tétraplégiques. Et du coup, ça capte les ondes du cerveau et après ça active le muscle de manière wifi, tu sais, avec l'électricité. Du coup, d'accord. Ça passe pas par la colonne qui a été brisée. Et comme ça, ils ont réussi à faire remarcher un singe. Bah, c'est bien pour lui. Hein. Tout ce qui est armure, etc., comme ça, c'est que par contrôle, tu sais, contrôle du cerveau uniquement. Ouais, bah, ouais. Les mouvements qu'il devrait faire normalement, mais là, dû à une armure. C'est encore loin que ça soit possible pour les humains, etc., parce que t'as encore des recherches. Mais c'est bien que ça avance. Et de manière basique, hein, c'est la jambe, tu vois bien que c'est qu'elle se plie, elle se rétracte, elle se plie, elle se rétracte, tu vois. C'est pas un mouvement fluide, tu vois ce que je veux dire? Ouais, bah oui, bah c'est les armures, enfin pas les armures, mais les gestes robotisés, hein, mécaniques. Ouais, c'est entièrement ça. Mais ça serait bien déjà qu'ils réussissent à faire pour les tétraplégiques, etc. T'imagines? Ce serait énorme. Bon, on va parler à la dame, connétable. Excusez-moi, connétable Ingram. C'est Marc 28 devrait faire l'affaire. Belle trouvaille. Je vais travailler avec votre équipe pour m'assurer que les bombes de Prime restent stables une fois qu'elles auront été chargées. Ça ne devrait pas poser de problème. Docteur Lee, je dois bien admettre qu'on n'aurait rien pu faire sans vous. Il est un peu tôt pour fêter ça, connétable Ingram. Liberty Prime n'est pas encore totalement opérationnel. Et j'espère que tout le travail effectué pour conserver la stabilité de ces systèmes va tenir. J'ai totalement confiance dans les capacités de chacun ici. Je vous remercie. Connétable, tous les voyants sont au vert. Je crois qu'il est temps que vous enclenchiez la dérivation d'énergie. En fait, je crois que je vais vous laisser appuyer sur le bouton. Après tout, sans votre aide, notre ami serait encore en pièces détachées. Il vaudrait mieux laisser cette tâche à un technicien expert, bien sûr. Mais je pense qu'elle vous revient de droit. Voilà. On va appuyer sur le bouton. Donc, Luni, si tu disais quelque chose, j'avais coupé. Hein, parce que comme il y avait les dialogues. Ouais, c'est ce que j'ai vu après. C'est parti! J'appuie sur le bouton magique. Liberty Prime, activé. Bon, commençons par lancer un diagnostic simple. Commande de diagnostic acceptée. Je viens de pouvoir créer une arme. J'ai mon arme depuis le début. La même. Enfin, puis la changer. Initialiser. Identification. Liberty Prime Mark 2. Mission, libération d'Anchorage, Alaska. Cible principale, tous les envahisseurs chinois communistes. Maintenant, laissez-moi analyser son système et vérifier son aptitude au combat. Analyse système complète de Liberty Prime.
Tous les systèmes normaux, armes activées. Attention, chargeur d'armes nucléaires vide. Chargement nécessaire. Attention, réacteur désactivé. Fonctionnement sur alimentation externe uniquement. Redémarrage du réacteur recommandé. Chance de repousser les envahisseurs chinois communistes. Compromise. Tous les voyants sont ouverts. D'après ce que je vois, tout va pour le mieux. Docteur, vous pourriez garder un œil sur notre ami ? Je vous remercie. Je dois bien admettre que je n'étais pas certaine qu'on arriverait à le faire marcher, mais tout a l'air bon. Avec Liberty Prime dans notre camp, l'Institut n'a pas la moindre chance. Je suis bien d'accord avec vous. Avant que vous ne partiez pour votre prochaine mission, j'ai quelque chose à vous donner. Je vous ai fabriqué ce petit bijou. Il devrait donner un peu de punch à votre armure assistée. Ce n'était pas nécessaire, Ingram. Oh, allez, ne vous faites pas prier. Vous l'avez bien mérité. Et puis ce n'est pas Liberty Prime qui va vous ramener une récompense. Bon, allez, vous feriez mieux de retourner sur le prix d'Owen. L'aîné Maxon a dit qu'il voulait vous parler dès que vous en aurez terminé ici. Merci, chevalier. Sans vous, rien de tout ça n'aurait été possible. Un petit instant. Je crois qu'il faut qu'on parle. J'espère qu'il n'y a pas de problème. Un problème ? Non, pas du tout. J'attendais le bon moment pour vous en parler, et je suppose qu'il est arrivé. J'ai une dette envers vous, vu que vous m'avez aidé à trouver un remède pour Duncan. Et je rembourse toujours mes dettes. Tenez. Je tiens à vous donner ça. Waouh ! Un soldat de bois ? Je sais qu'une figurine de soldat, c'est une récompense bizarre pour avoir risqué votre vie, mais celle-ci est spéciale. Elle a énormément de valeur pour moi. Si elle compte tant que ça pour vous, ça me touche beaucoup. Merci. De rien. Ne la perdez pas, surtout. C'est ma femme, Lucie, qui me l'a donnée après notre rencontre. Je lui avais dit que j'étais soldat et elle a fait cette figurine pour moi. J'ai jamais trouvé le courage de lui dire la vérité, que j'étais juste un tueur à gages. Cette histoire de soldat, c'est ce que j'avais trouvé de mieux. Je voulais pas la perdre à cause de ce que j'étais. Je sais que vos intentions étaient louables. Je pensais bien que vous comprendriez, mais ça a plus vraiment d'importance. Elle est morte il y a quelques années. Un soir, on a commis l'erreur de s'abriter dans une station de métro. On ignorait qu'elle était infestée de goules sauvages. Elles se sont jetées sur Lucie avant que j'aie le temps de réagir. Elles l'ont réduite en charpie sous mes yeux. Et j'ai rien pu faire. J'ai eu toutes les peines du monde à m'enfuir en portant Duncan. Mais peut-être qu'on aurait mieux fait de mourir là-bas, nous aussi. Vous avez peut-être perdu votre femme. Mais vous avez sauvé votre fils. C'est déjà quelque chose. Peut-être. Je sais plus. Bon sang. Qu'est-ce que Lucie me manque. Même quand ça allait mal... Elle était toujours à mes côtés pour m'épauler. Elle me donnait le courage de continuer à aller de l'avant, de jamais baisser les bras. Quand elle est morte, j'ai cru que c'était une sensation que je connaîtrais plus jamais. Et puis, on s'est rencontrés. Vous portez les problèmes du monde entier sur votre dos, et pourtant vous m'aidez à régler les miens. Vous me soutenez comme Lucie le faisait. Je voulais juste que vous sachiez combien notre amitié me tient à cœur. Seuls les meilleurs amis se disent ce genre de choses. Et j'aimerais que notre relation reste aussi forte. Enfin, bref, merci de m'avoir écouté. Ce voyage devrait être un peu plus facile pour moi avec un poids en moins sur le cœur, si vous voyez ce que je veux dire. D'ailleurs, puisqu'on en parle, il faudrait peut-être se remettre en route, non ? Vous avez atteint le niveau d'affinité maximal avec McCready et débloqué l'aptitude tir. Fatal. Yes. Ben voilà. Ça c'est cool. Et ben on va s'arrêter ici pour cet épisode les amis. J'espère qu'en tout cas ça vous aura plu. Je vous dis donc à très bientôt pour de prochaines aventures sur Fallout 4. Et comme on a pu voir avec Liberty Prime, bah bien sûr c'était la référence, oui, à Anchorage. Comme vous l'avez pu le constater. Allez, salut à tous les amis.